vous êtes en direct sur RTUA. Jean-Michel Onna nous rejoint. Et nous allons partir pour une autre chronique. Vous savez, nous sommes dans le premier mois de l'année 2015 et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si vous n'avez pas encore commencé à souhaiter donc les vœux, à adresser vos vœux à vos amis, à vos proches, c'est vrai que souvent la liste est très très longue. On fait une partie, après on en oublie une autre. Mais ce n'est pas tard parce que vous avez encore d'autres possibilités de le faire. C'est pourquoi Nadiani Diarra est là. Elle va nous dire comment donc rédiger une belle carte de vœux. Voilà. Oui, Nadiani. Oui, bon, voilà. Bonjour, Jean-Michel. Donc, 2015 est là. Il est de tradition de souhaiter nos vœux à nos proches, donc famille, amis, collègues, petite amie, petite amie et tout. Mais pourquoi petite amie, c'est si bas comme ça? Non, conjoint, conjointe, petite amie. Et depuis de nombreuses années, la nouvelle coutume, puisqu'on est à l'ère du digital, le passage au digital, Côte d'Ivoire 2.0, est de souhaiter les vœux par SMS. Bon, moi je dirais que c'est vrai que j'ai un côté puriste un peu. Le must du must, le so chic reste quand même la carte de vœux traditionnelle, quand même. Je veux dire, c'est tellement beau de nos jours de recevoir une belle carte écrite à la main, Caroline. C'est tellement rare de nos jours. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez vraiment offrir, enfin, souhaiter vos vœux, offrir une carte à quelqu'un qui vous est cher, si vous pouvez, faites-le à la main, c'est-à-dire écrivez. Mais il y a des jeunes qui vous regardent et qui disent « Ah, Golo, aussi ça, c'est les ouais d'avant, avant. » Non, mais le tout, c'est que c'est les ouais d'avant, avant, mais... Non, mais c'est vrai, quand tu dis c'est les ouais d'avant, avant, mais aujourd'hui, si tu veux faire la différence, écris à la main. Ça distingue, quoi. On m'a dit non, le gars, il est chaud. Parce qu'il faut, souhaiter les vœux à tout le monde, à toutes ses connaissances. Il y en a plusieurs, il y en a tellement que... Donc, il faut combien de cartes de vœux? Si tu peux te promener avec des milliers de cartes de vœux... Non, non, justement, en fait, ce que je tentais d'expliquer, c'est que elles se font rares de nos jours. Donc, si vous pouvez, faites-le. Mais sinon, il y a les cartes de vœux électroniques par email qu'on peut envoyer, les cartes d'entreprise maintenant. Tout fonctionne par email, par SMS. Coucou. Donc, mais malheureusement, des fois, on manque d'imagination. C'est toujours la même chose. Bonne année, bonne santé, bonté, réussite, l'argent, succès. Mais essayez d'être un peu original quand même de temps en temps. Exemple. Faites preuve d'originalité. Exemple, voilà. Je vous ai sélectionné mes top 3. Mais si vous avez besoin d'autres idées, n'hésitez pas à me contacter. Avant de donner les top 3, on va donc profiter de l'occasion et saluer Lynn Jabert qui nous a rejoint de façon officielle. On va lui dire bonjour. Alors, les top 3. Donc, essayez d'être original. Il ne faut pas... une longue lettre, ce n'est pas la peine. Des petits mots bien choisis font la différence. Par exemple, je vais... Mon number 3. Numéro 3. Alors, que le chemin de l'année 2015 soit parsemé d'éclats de joie, de pétales de plaisir, qu'il soit éclairé par l'étincelle de l'amour et la lueur de l'amitié. C'est pas beau, ça? C'est beau. C'est tout simple. Ah, en fait, c'est tout simple. Mais c'est mignon, vous voyez. Ça apporte quoi? C'est beau, mais ça apporte quoi? Celui mais c'est l'émotion, c'est chaleureux, c'est sincère et ça fait plaisir. Il attend son bonne année, là, j'avoue. Ou encore, par exemple, que cette année, tout simplement, t'apporte tout ce que tu désires, qu'elle te réserve également des bonheurs inattendus. Et mon préféré, c'est romantique. Quelques graines d'amitié, quelques graines d'amour et une petite graine de chance feront de cette année nouvelle, je le souhaite pour toi, une moisson de bonheur. Wow. Bonne année 2015 à tous. Et bien évidemment, quand on vous souhaite les vœux, c'est un jeu de ping-pong, hein, faut répondre. On vous souhaite les vœux, faut répondre. Et vous avez jusqu'à la fin du mois pour souhaiter vos vœux. Et je veux demander pardon à tous ceux à qui je n'ai pas encore souhaité mes vœux, adresser mes vœux. Et encore, j'ai reçu beaucoup de SMS. Je réponds au fur et à mesure, pardonnez. Je vais le faire. Alors, Nadiani Diarra, en même temps, il faut le dire, c'est vrai, il faut quand même écrire de très belles paroles, mais il faudrait que ce soit des paroles qui viennent du cœur. Exactement, voilà. Exactement, faut que ce soit ça touche. Merci encore pour cette belle chronique. On applaudit très fort Nadiani Diarra. Et
Et nous le disions, nous avons donc consacré cette émission, certes au divertissement, mais surtout c'est une plateforme qui fait, on va dire, qui fait la part belle à la culture. Et c'est pourquoi Jean-Michel Onin est là sur ce plateau. On Merci, va t'écouter. D'accord. Juste après le générique. Tout à fait, tu as bien compris. D'accord.